Hello, hello. Bonjour, bonjour. Bienvenue. Je suis un peu trop tôt, comme d'habitude, pour pouvoir attendre que les gens nous rejoignent. J'espère que vous allez bien. Bonjour, Cécile. Bonjour, Mia. Bonjour, Anne. Ça fait longtemps. Jean Lambert. J'espère que tu vas bien, Jean Lambert. I boum boum. Est-ce qu'il y a du son maintenant? I boum boum. Enchantée, I boum boum. Alors, est-ce que c'est ton vrai nom ou... Alors, Ibou, peut-être que je prononce mal. Ah, Ibou. Ibou, c'est plus facile. Alors, est-ce que, y a du son maintenant? Est-ce que vous pouvez juste me confirmer qu'il y a du son maintenant? Je suis en train de regarder les commentaires. Si je ne regarde pas dans les yeux, c'est parce que je regarde les commentaires. Hop, et on va commencer dans à peu près 7 minutes. Donnez-moi 2 secondes, j'ai encore juste organisé 2, 3 choses. J'ai des trucs absolument incroyables à vous dire aujourd'hui. Des choses aussi qui font peur, hein. Je vous dis déjà, je ne vous explique pas. Il y a quand même un nombre de trucs qui sont assez incroyables, hein. Avec toutes ces nouveautés sur les réseaux sociaux, ça peut faire peur. Donc accrochez-vous, mes amis. Aujourd'hui, je vais vous dévoiler certaines vérités. Alors... Ah. Christophe, qu'est-ce que me dit Christophe? Prends tout ton temps dans les 7 minutes qui arrivent. Merci, merci bien. J'aimerais vraiment trouver un moyen de pouvoir et vous regarder et regarder les commentaires en fait. C'est-à-dire que quand je vous regarde, c'est là et je voudrais... Vous regardez, vous, mes commentaires sont là. Ah ben non, j'ai des commentaires qui sont là. Donc aujourd'hui, pour ceux que ça intéresse, j'utilise ICAM, ECAM. C'est mon outil flemmard en fait, hein, puisque d'habitude, j'utilise des trucs un peu plus élaborés avec un petit compteur et des bannières, etc. Et ça, c'est mon outil de flemmard. Hein. C'est pas vraiment que je sois une flemmarde aujourd'hui, mais c'est que je suis entre deux outils pour ceux qui connaissent. J'utilisais Wirecast avant et là je vais utiliser dès demain d'ailleurs Vimix. Donc je suis encore en train un petit peu de comprendre comment tout ça marche. Mais j'ai l'impression que je vais pouvoir voir vos commentaires ici, ce qui est pas mal, hein. Ça me permettra de vous parler en face et de voir vos commentaires. Hein. Alors, ICAM. ICAM, est-ce que c'est bien? Alors, franchement, honnêtement, c'est bien parce que c'est super facile dans le sens où, alors déjà, ça coûte pas cher du tout. Je crois que ça coûte 30, 40 euros dollars pour télécharger sur son ordinateur. C'est assez stable. Mais moi, ce qui me dérange, c'est le son. Je trouve qu'il n'y a pas un bon son par rapport à ce que j'ai sur, ce que j'avais sur Wirecast. Et j'ai l'impression aussi que l'image est bizarre. L'image, elle n'est pas très très bonne au niveau de la lumière. J'ai l'impression d'être un peu jaune. Enfin, il y a des trucs, on sent vraiment une différence en qualité en fait sur ICAM. Forcément, c'est un peu moins cher, donc la qualité aussi sera un peu plus basse. Je vais prendre quelques commentaires. Voyons voir comment ça marche ici. J'aimerais souhaiter la bienvenue à ceux qui sont nouveaux. Aujourd'hui, on a Ibou qui vient de... Tu peux nous dire d'où tu viens, Ibou, et ce que tu fais dans la vie. J'espère que je dis ton nom juste, Ibou, mais je pense que oui. Et vraiment, te présenter et nous faire une petite ligne et nous parler de toi. Pas trop, hein, pas tout un roman, mais... Et puis, on a aussi Jean Maillet. Bonjour, Jean. Enchanté. Toi aussi, n'hésite pas à te présenter dans les commentaires. Cécile, comment vas-tu, Cécile? Et les autres qui ne sont pas nouveaux. Alors, est-ce que vous avez découvert des trucs nouveaux cette semaine sur les réseaux sociaux? Je
Alors, mettez-moi dans les commentaires si vous avez découvert des trucs nouveaux. Et puis moi, je vous dirai mes petites nouveautés de la semaine. Comme ça, on fait donnant-donnant. Alors, Rome me pose une question très intéressante. Il me demande, d'ailleurs, je comprends pas pourquoi il n'y a pas là. Alors, Rome me demande pourquoi utilises-tu des logiciels et non pas passer par Facebook Live directement? Il y a un intérêt. Donc, c'est une excellente question. Et la réponse est que aller sur Facebook Live directement, en fait, ceci dit, c'est ce que j'ai fait aujourd'hui avec les 2 ou 3 lives que j'ai fait tout à l'heure, que tu as vu, Rome, où j'étais directement sur Facebook Live. Donc, en fait, il y a pas un grand désavantage entre Facebook Live directement et ICAM aujourd'hui parce que depuis quelques jours, je l'avais annoncé donc la semaine passée, Facebook va sortir une plateforme qu'ils appellent Facebook Live Producer où on pourra mettre des bannières et partager l'écran. Et ça, c'est nouveau. Et il n'y avait pas avant. Donc c'était ça l'avantage pour moi, en tout cas de passer par une plateforme tierce, c'est pouvoir partager mon écran. Et là aussi, avec ICAM, tu vas voir aujourd'hui, Rome, je vais pouvoir te parler maintenant et après je vais pouvoir partager mon écran. Avec la nouvelle fonction partage d'écran de Facebook, il faut choisir dès le début, c'est où c'est la caméra ou le partage d'écran. Ça veut dire qu'on ne peut pas passer de l'un à l'autre. C'est un peu bête, mais c'est comme ça encore. Et bientôt, ils vont donner accès à tout le monde à cette fameuse plateforme Facebook Live Producer où on pourra faire des bannières, beaucoup plus de choses. Mais là encore, attention, très attention, parce que cette plateforme Facebook va être sur le navigateur, donc sur Internet. La différence entre ICAM et directement Facebook, c'est que ICAM, c'est quelque chose que je télécharge sur mon ordinateur. C'est un software comme Vimix, Wirecast, OBS et ICAM. On télécharge ça sur notre ordinateur. Ça veut dire qu'au niveau de la qualité, c'est beaucoup mieux parce qu'on n'est pas sur le navigateur. OK? Avec Facebook, tout ce qui va se passer directement avec Facebook ou avec une plateforme comme BeLive, par exemple, on est directement sur un navigateur. Donc, c'est forcément beaucoup moins stable. Voilà. J'espère que c'est une réponse qui t'aide, Rome. Et puis, dans quelques minutes, alors dites-moi dans les commentaires ce que vous avez vu de nouveau. Mia, qu'est-ce que tu as découvert de beau cette semaine? Dans les news. Alors, Jean Lambert, qu'as-tu découvert de nouveau dans les news cette semaine? Alors, faites-moi part de vos commentaires. J'aimerais dire bienvenue, souhaiter la bienvenue, j'aimerais dire. J'aimerais saluer particulièrement in English, Mr. Camilo Pombo, qui vient en direct de Colombie. Voilà. How are you, Camilo? Et puis, j'aimerais saluer les personnes qui sont nouvelles. Ce qui est intéressant, c'est que j'ai 2 endroits différents. Regardez les commentaires et c'est pas la même chose. Alors, bougez pas, je rafraîchis. Je rafraîchis et on va passer tout de suite aux news. J'aimerais souhaiter la bienvenue à plein de nouveaux aujourd'hui, à Féti, bienvenue, Lassane, Pat, Suzanne, bienvenue et bienvenue quoi, donc à l'émission du jeudi qui n'a toujours et pas encore de nom. C'est incroyable, mais je n'arrive pas à trouver un nom pour cette émission. C'est l'émission des news de la semaine en fait, des réseaux sociaux et du web marketing. Et je voulais trouver un super nom et je ne trouve pas. Donc en attendant, ça reste actualité social media et web marketing. Voilà mes amis, je pense qu'on va partir sur les news de la semaine. Est-ce que vous êtes prêts? Si vous êtes prêts, faites-moi un petit like dans les commentaires. Mettez-moi oui. N'hésitez pas à partager tout le truc que je dis d'habitude, partagez, aidez-nous, aidez-moi, partagez pour que cette émission soit vue par le plus de personnes possible et pour que je puisse continuer à la faire.
Voilà, c'est parti mon kiki, je partage mon écran. Est-ce que vous êtes bien assis? Vous avez mis la ceinture mes amis? C'est yes. Ok, Jean Lambert, yeah. Et ben voilà, ça c'est de l'interaction. Ça c'est du, comment on appelle ça, hein? Ça va faire exploser l'algorithme de YouTube là, Jean Lambert. Merci, et Christophe aussi. Allez, c'est parti. Alors, aujourd'hui, je vais commencer. On a pas mal de news aujourd'hui sur LinkedIn, Facebook, etc. J'ai plein de trucs à vous dire. C'est vrai que je devrais faire au début des émissions, ça c'est quelque chose auquel je pense depuis longtemps, faut absolument que je le fasse, c'est une question de temps, de vous dire au début de l'émission de quoi on va parler, ce serait super pro ça, je vais le faire, je vous promets. Alors, la première chose que je voulais vous dire, c'est vous parler en fait de la nouvelle fonction, c'est pas si nouveau que ça parce que moi je l'ai depuis un petit moment, c'est ce qu'ils appellent les smart replies, les réponses intelligentes de LinkedIn. Alors pour l'instant c'est encore que en anglais, mais je vous montre vite ce que c'est. En gros, donc voilà, en résumé, tout ça pour vous dire que nous n'avons plus besoin d'utiliser notre intelligence réelle, puisque de plus en plus, nous aurons des gentils robots comme ça, d'intelligence artificielle qui répondront à notre place extraordinaire pour les flemmards. Il n'y a pas de son sur la vidéo, hein, de toute manière, Jean Lambert, c'était juste pour les images. Et donc, en fait, c'est le nouvel outil, c'est l'intelligence artificielle de LinkedIn qui, soi-disant, est là pour nous servir parce qu'on est des gros flemmards et qu'on ne sait pas répondre oui, non, 16h, 17h, mais surtout qui va collectionner de la data, puisque maintenant, ils sont à fond, donc LinkedIn aussi, dans la collection de data. Patsy, oui, c'est un peu flippant. C'est flippant pour plein de trucs. Je vous ai dit, et Patsy, je vous ai dit qu'aujourd'hui, j'ai plein de trucs flippants à vous raconter. Donc, en fait, en gros, nous sommes écoutés, espionnés, mais ça, c'est pas nouveau. Donc, on va pas dire qu'on ne le savait pas. Maintenant, on va voir le bon côté des choses, puisque on est un peu tous des marketeurs, des entrepreneurs et des communicants ici. On va se dire, ok, c'est génial, parce que avec toute cette data, on va pouvoir nous, marketeurs, faire travailler avec, en tant qu'annonceurs en fait, pour cibler les gens que le LinkedIn et les autres auront espionnés pour nous. Voilà, il faut voir le bon côté des choses. Ok, donc no freak out, tout va bien. Et puis voilà, pour les flemmards, c'est quand même sympa parce que des fois on a la flemme de taper, donc je suis un peu ironique, mais voilà. Voilà, mais oui, c'est ça, c'est comme ça. Alors, l'autre chose, alors j'en ai beaucoup parlé dans les lives passés pour ceux qui m'écoutent régulièrement, et je vous en remercie d'ailleurs du fond du cœur vraiment. C'est LinkedIn. Ça fait quelques semaines que je vous dis que LinkedIn, c'est vraiment une plateforme sur laquelle je vais redevenir très active pour plein de raisons. Et puis là, il y a Siècle Digital, je sais pas si vous connaissez, qui a fait une infographie. Non, en fait, c'est pas à eux l'infographie. Ils l'ont réutilisé de, je sais pas qui l'a fait cette infographie, excusez-moi, Naus. Voilà. Mais il y a une super infographie qui donne non seulement des chiffres de LinkedIn. On peut pas les voir ensemble, c'est un peu long, vous regarderez, je vous donnerai les liens. Mais évidemment, on voit que ce réseau grandit et puis on voit surtout qu'il y a pas mal de nouveautés, mais je vous en ai parlé dans les lives passés, mais il y a cette nouveauté d'avoir le statut en fait actif ou pas actif comme sur Facebook, hein, vous vous souvenez. C'est-à-dire que si vous êtes là sur LinkedIn et que vous voyez qu'il y a quelqu'un ouvert, vous pouvez lui envoyer un petit message directement comme sur Facebook. L'idée de tout ça,
C'est bien évidemment de vous garder un maximum sur la plateforme LinkedIn, puisque encore une fois, je le répète souvent, mais jamais trop, c'est que toutes ces plateformes-là font la compétition pour les budgets publicitaires, et plus vous restez sur la plateforme, plus y aura de ils pourront vendre de publicité. D'accord? En plus avec le messaging, là on vient de voir automatique et tout. Très bonne infographie, je partagerai les liens pour ceux qui veulent. Alors, Skype, qui c'est qui utilise Skype pour parler régulièrement tous les jours? Et si vous n'utilisez pas Skype, qu'est-ce que vous utilisez pour communiquer? Est-ce que vous utilisez Facebook Messenger, Skype, WhatsApp? Mettez-moi dans les commentaires et je vous expliquerai pourquoi, parce que j'ai pas mal de trucs à vous dire sur toutes ces plateformes de messagerie. Donc Skype, qui a revampé en fait sa plateforme. Moi, j'ai pas encore, hein, j'ai parlé sur Skype ce matin, j'ai pas encore vu ça. Et ils ont ajouté plusieurs nouvelles fonctions. Entre autres, la possibilité de parler avec plusieurs personnes, d'accord? Ça, je crois qu'on pouvait le faire avant sur la fonction payante. Donc, est-ce que aujourd'hui c'est la fonction gratuite aussi? On peut parler avec beaucoup plus que 4 personnes même, je crois. Et puis surtout, la possibilité de faire des stories. Et oui, Skype a aussi volé les stories à Snapchat et il les appelle les highlights, ok? Donc, on peut se dire, mais pourquoi est-ce que tout le monde fait des stories? Finalement, qu'est-ce que ça a de si bien, ces stories? Moi, j'essaye encore de m'y mettre. D'ailleurs, attendez, je vais voir maintenant sur quelle plateforme vous me dites que vous parlez, vous. Alors, Cécile, c'est beaucoup en anglais, LinkedIn, ok. Rome, Skype, d'accord. Messenger en vocal, en vidéo, moi aussi, Pat, je suis toujours sur Messenger. Et Jean Lambert, on pouvait déjà, ok, ouais, d'accord. C'est vrai, on pouvait déjà être à plusieurs. Et Cécile, moi, Skype et Facebook Messenger surtout. Donc, pour revenir à Skype et tous ces gens, en fait, qui nous demandent de mettre des stories, hein, enfin, qu'est-ce qu'il y a de si bien dans ces stories? Donc, comme je vous disais, moi, je suis encore en train d'essayer de m'y mettre sur ces stories. Ça prend un temps fou, finalement. Et en plus de ça, sur Instagram, en l'occurrence, ça reste que 24 heures. Donc, j'essaye de comprendre l'histoire. Dites-moi, vous, ce que vous en pensez. Pourquoi il y a toutes ces stories? Est-ce que c'est si génial que ça? Mais en tout cas, c'est génial pour les plateformes qui les mettent, puisque, à mon avis, s'il n'y a pas déjà, d'ailleurs, je crois, il y a déjà dans les stories Instagram, vous pouvez mettre de la publicité. Donc, forcément, une plateforme comme Skype et je ne sais plus qui d'autre qui a copié les stories, c'est pour pouvoir ensuite non seulement insérer des publicités, mais surtout, attirer les jeunes. D'accord? Puisque, et en plus, Skype, c'était loin d'être une plateforme cool. Alors, Jean Lambert, je ne vois pas l'intérêt sur Skype. Alors, voilà, je pense que c'est pour attirer les jeunes et peut-être à un moment, est-ce que sur Skype, ils pourraient mettre de la publicité? Je ne sais pas. Affaire à suivre. Alors, une nouvelle super importante. Non, je rigole. Il y a des nouvelles qui sont importantes pour nous les marketeurs et d'autres trucs où on se demande, en fait, on s'en fout, mais il faut quand même que je vous le dise. En fait, on s'en fout pas tellement parce que Instagram a décidé que ces stories, en fait, ça marchait super bien. Ils n'ont pas décidé, c'est vraiment comme ça. Et du coup, voilà ce qui va se passer. Vous vous souvenez, on voyait les stories avant comme ça. D'ailleurs, on va toujours les voir comme ça. Hein, en haut de votre téléphone, il y a toutes les stories. D'ailleurs, maintenant, on peut les regarder toutes en même temps. On clique sur le bouton Watch All, regardez tout et on voit tout d'un coup et on passe le temps à ne rien faire et on perd beaucoup de temps pour rien. Et maintenant, ils ont décidé qu'il fallait encore plus mettre en avant ces stories. Remarquez, c'est pas mal pour les marketeurs, je suis assez contente d'une certaine manière. Parce que maintenant, en fait, vous voyez là, ces images-là, dans l'image d'utilisateurs, ils mettent leurs stories à eux. Ça veut dire que quand vous descendez dans le feed de Instagram, vous voyez là, on voit bien,
On descend dans le fil et là, tout d'un coup, au milieu, ils vous mettent les stories récentes. Donc, elles seront à deux endroits aussi. Qui parmi vous utilise Stories sur Instagram ou sur Snapchat? Est-ce que vous l'utilisez? Si oui, qu'est-ce que ça vous amène en tant que marketeur? Et sinon, pourquoi est-ce que vous ne l'utilisez pas? Alors, je lis vite les commentaires. Donc, Pats, les stories, ça m'évite d'aller sur les murs, mais rester informé des activités de mes amis. Ok, mais je m'en sers modérément pour de la pub. Ok, donc Pats, principalement pour tes relations perso. Autre nouveauté absolument incredible de Instagram, mes amis, ça va changer votre vie. C'est le Instagram Super Zoom. Alors attention, je ne sais pas s'il y a du son ou pas, mais il faut que vous voyez ça, c'est un truc de fou. Je vous montre si ça marche. Comment ça devrait marcher? Alors, pendant ce temps, je lis les commentaires. Ça marche pas, c'est bizarre. Attendez. Ah, ça marche pas. Bon, ça ne marche pas. Donc, en gros, voilà ce qui se passe. C'est que quand vous allez vous prendre en photo ou en vidéo plutôt, en vidéo, voilà. Vous savez, quand on est sur Instagram, en bas de l'écran, là, on voit... attendez, moi je suis où là? Je vois plus. Attendez, voyons ça. Alors, attendez, je crois que j'ai frisé, j'ai congelé dans une des. C'est bon, je suis toujours là ici, tout va bien. Ok, j'ai congelé sur l'autre plateforme, donc je vois plus les commentaires. C'est pas grave. Donc, quand vous êtes sur Instagram, vous savez, en bas, vous pouvez mettre photo ou bien vidéo ou boomerang, etc. Maintenant, vous avez aussi le super zoom. Et vous pouvez même mettre un espèce de son qui fait comme un espèce de film d'horreur et tout ça. Voilà, c'est un petit gadget sympa. Je pense qu'ils ont dû lancer ça pour Halloween, peut-être. Allez savoir. Et puis, c'est encore et toujours les mots qui me viennent pas. C'est parce que mon truc marche pas, ça me trouble. Des choses pour capter les jeunes, en fait. Les gens qui sont sur... ils sont désespérés Instagram. Enfin, ils sont pas si désespérés que ça parce qu'ils ont déjà beaucoup de gens, mais ils veulent absolument avoir tous les jeunes qui sont sur Snapchat et je pense qu'ils feraient tout pour y arriver. Ça, c'est à peu près l'annonce la plus giga de l'année 2017. Qu'est-ce que c'est, mes amis? Est-ce que vous arrivez à deviner? Cette nouveauté va changer notre vie absolument, surtout les gens qui sont, comme moi, assez impulsifs. Cette nouveauté, qu'est-ce qu'elle va faire? C'est WhatsApp qui vous permet de d'effacer un message après l'avoir envoyé. Vous avez 7 minutes, montre en main, quand vous avez envoyé un message pour le regretter et l'enlever. D'accord? Donc, je pense que ça va changer la vie de beaucoup d'entre nous. On espère, comme le dit aussi d'ailleurs le blog du modérateur sur lequel j'ai vu cet article, moi aussi, comme eux et comme vous, je pense, on espère avoir cette fonction à peu près partout, sur les emails, sur les WhatsApp, sur les Messenger, partout, pour ne plus se retrouver dans des situations où, voilà, on a envoyé notre message et on le regrette. Alors, je vais juste prendre 2 petites secondes pour me remettre, pour revoir les commentaires, parce que là, je suis de nouveau, j'ai été éjectée, en fait, si vous voulez, de mon propre live, mais c'est pas grave, l'essentiel c'est que vous me voyez tous quand même et que vous m'entendiez bien. Donc moi je puisse voir les commentaires. J'ai un peu de peine à voir les commentaires ici. Voilà, encore un des mauvais côtés de iCam, hein, c'est qu'on voit très très mal les commentaires. Alors, Marina, attendez, je lis les commentaires. Donc, les stories, ça m'évite... Ok, d'accord. Donc là, Cécile, rien du tout, ça sert pas. On parle des stories. Là, Marina, des fois, des stories, mais rarement, je les regarde souvent en voyant celles de mes amis. Ok. Cécile, le mieux pour moi, c'est Facebook, ouais. Quoique, attention, Cécile, avec Facebook, ça peut être dangereux.
ça peut être dangereux. Il faut quand même ne pas mettre tous ses œufs dans le même panier. D'ailleurs, ça sera une émission que je vais vous faire bientôt à propos de Facebook, mais je n'en dirai pas plus, je garde le suspense. Alors, on va passer à la news suivante sur Google. Sur l'application, l'assistant Google, il y a un assistant Google, je sais pas si, moi je l'ai encore jamais vraiment utilisé ou vu, mais quand vous faites des recherches sur cette application de Google, il y a un assistant qui arrive, comme on l'a vu d'ailleurs un peu partout, comme M de Messenger. Et là, c'est le Google francophone qui s'est associé récemment à la SNCF, à Namatata, je ne sais pas ce que c'est, oui, c'est pour se relaxer, à El Horoscope, super intéressant, à des hôtels, à des journaux, à l'équipe, etc. Et tout simplement qui vous proposera, encore une fois, selon votre, avec l'intelligence artificielle, de vous offrir les informations. Mais cette fois, comment que vous demandez, hein. Ça va pas venir au milieu d'une de vos conversations. C'est vraiment, vous allez sur cet assistant Google. J'imagine que c'est dans une application parce que je l'ai jamais utilisé. Et du coup, vous dites voilà, il vous dit comment est-ce que je peux vous aider et il dit je veux parler au voyage SNCF, etc. Et il lui pose des questions. C'est pas mal quand même. Je veux dire, c'est assez pratique. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Est-ce que quelqu'un l'a déjà utilisé? Est-ce que vous avez déjà vu cette application et cet assistant Google? Alors, sujet sérieux maintenant, avec un titre qui peut peut-être faire rire, mais c'est un sujet quand même super sérieux, c'est la revanche du porn. Honnêtement, ça me fait pas rire quand j'ai envie de rire, mais ça me fait pas rire. C'est que tout simplement, on sait très bien qu'il y a eu pas mal d'histoires absolument atroces sur le net où l'ex petit copain ou l'ex petite copine, je ne garde, je dis pas que c'est que les hommes, hein, se sont vengés de leur ex-amant amoureux en mettant sur les réseaux sociaux des images, que ce soit des photos ou des films. Dans des situations, on va dire, plus ou moins compromettantes. Ce qui va se passer maintenant, et c'est en train d'être testé par Facebook en Australie, c'est que si vous pensez que vous êtes en danger, que quelqu'un avec qui vous avez été pourra faire quelque chose comme ça, vous pouvez maintenant l'annoncer à l'avance. Ok? Ils sont testent ça en Australie. Ça veut dire que si vous dites, ouh là là, il nanana, vous pouvez donc annoncer alors à Facebook et après je ne sais pas exactement ce qui va se passer mais ça veut dire que les photos qui pourraient être postées de cette personne-là vont être scrutées au peigne fin pour être sûr qu'il n'y ait pas des horribles images qui sortent sur vous. Donc voilà, c'est en train d'être testé et je pense que ce serait vraiment bien que ça soit dans le monde entier. Je vais encore essayer de me remettre sur les commentaires. Ce serait assez sympa qu'on puisse discuter quand même, au lieu que je fasse mon monologue. Je ne sais pas ce qu'il a aujourd'hui, mon internet. C'est pas grave. Je vais essayer de voir les commentaires ici. Hop. Ah, non, ça revient. Voilà. Ok. Donc. Alors, je vais parler de ça après. Il y a les nouveaux outils. Je vous avais parlé déjà de quelques-uns de ces outils pour les groupes. Il y en a quelques autres qui sont sortis. Donc, typiquement, sur les groupes, vous avez vu qu'il y a des petits badges maintenant. Quand c'est l'administrateur, on sait, mais c'est pas mal parce qu'on sait au moins qui sont les modérateurs, qui sont les administrateurs. C'est vrai qu'avant, on comprenait rien. On savait pas qui était en fait le leader du groupe. Donc, il y a ça. Et puis, maintenant, ils ont ajouté une autre chose aussi qui est vraiment sympa. C'est qu'avant, chaque fois disons, les modérateurs de groupe, on disait bienvenue à tous les nouveaux membres. Et bien maintenant, vous pouvez aller sur les groupes Facebook, sur votre groupe Facebook, et quand vous dites, et vous pouvez dire je veux tous les nouveaux membres depuis la semaine passée, et ça vous les sort automatiquement. Donc, ça va vous faire gagner pas mal de temps. L'autre truc qui est assez sympa, je trouve, c'est d'avoir une mini carte d'identité, on va dire, à l'intérieur du groupe. Donc, vous pouvez cliquer.
sur la personne dans le groupe et puis ça vous sort pas un profil complet comme celui qu'on a, mais voilà, il y a deux trois petits trucs qui sortent et puis ça nous permet un peu de voir à qui on a affaire. Et puis des analytiques, donc il y en avait déjà avant quelques-uns, depuis quelques semaines, et puis là il y a encore des trucs encore mieux, encore plus poussés, comme par exemple ça va vous aider à trouver des gens pour votre groupe en mettant par exemple une géolocalisation, enfin si vous êtes à Paris, vous mettez géolocalisation Paris, et du coup Facebook va servir la suggestion de votre groupe aux gens qui sont dans votre région. Voilà, voilà. Alors, je vais juste voir si je vois. Est-ce que vous êtes toujours là? Parce que j'ai un tout petit problème pour les commentaires. Faites-moi juste oui, non dans les commentaires. Je vais voir si ça marche. Deux secondes. Profitez, respirez, allez faire pipi. Je fais une petite pause technique là. Parce que j'ai un peu des problèmes de commentaires et c'est dommage. Alors, hop. Ok, super, ça marche. J'aimerais bien pouvoir les voir mieux parce que je ne vois pas grand-chose. Donnez-moi 2 minutes. Je crois que ça marche enfin. Hop. Voilà, c'est bon. On va enfin... Voilà. Ouh, bah voilà, c'est mieux comme ça. Ok, donc oui, géolocalisation apparemment du groupe. Encore une fois, si on le veut et si on active la fonction. Ça, c'est la même chose, excusez-moi. Et puis, autre nouvelle, ça peut vous sembler entre guillemets anodin, mais c'est un gros marché. C'est que Facebook s'est associé à des gros sites de vente de voitures pour avoir en fait accès à leur catalogue. Et du coup, on peut maintenant vendre et acheter des voitures sur Facebook. Encore une fois, ici, c'est une énorme opportunité pour les publicitaires, d'accord? Parce que vous allez pouvoir, ils vont bien sûr encore capter de la data et vous pouvez peut-être dire j'aimerais vendre à un mec qui conduit une Mercedes parce que vous voulez lui vendre un truc que seulement les mecs qui ont des Mercedes, enfin, etc., etc. Autre chose, je sais pas si... Excusez-moi. Qui a testé Workplace de Facebook? Moi, je l'ai testé. Et puis, j'ai pas tellement eu le temps. Est-ce que vous l'avez testé ou pas? Et qu'est-ce que vous en avez pensé? Donc, Workplace de Facebook, c'est une plateforme comme, par exemple, Slack. Je ne sais pas si vous connaissez Slack. C'est une plateforme pour les équipes, en fait, dans le travail. Moi, j'ai une équipe et on est tous sur Slack parce qu'on habite tous à des endroits différents sur la Terre. Et on se rejoint dans notre bureau, on va dire, qui est Slack. Donc, Workplace, c'est la même chose que Slack. C'est une plateforme copier-coller Facebook faite par Facebook. Et l'idée, c'était de dire, voilà, on va concurrencer Slack et les autres plateformes de collaboration, en fait, en ligne. Et comme les gens, ils sont toujours sur Facebook, on va leur faire exactement le même environnement que Facebook. Et du coup, tout le monde va adorer et tout le monde va adopter la nouvelle plateforme. Alors, je ne sais pas si tout le monde l'a adoptée, oui ou non. Toujours est-il que là, elle est accessible à tout le monde. Et du coup, ils ont même fait une app séparée, ok, pour votre téléphone, qui s'appelle Workplace et où vous pouvez parler là à plusieurs personnes en même temps, d'accord? Donc encore une fois, compétition avec Skype qui sort la même chose, compétition avec Slack, je vais vous montrer juste après cette news. Mais voilà, de nouveau une manière de communiquer toujours en restant chez Facebook, hein, en espérant que là, ils vont quand même pas nous espionner dans les conversations professionnelles. Mais voilà, il n'y a qu'un pas. Alors, Pat, j'utilise Zoom pour parler avec mon équipe, je regarderai. Alors, Pat, Zoom, parce que la version gratuite, elle limite quand même à 40 minutes. Hein, et moi, avec Zoom, au bout d'un moment, j'ai dû prendre la version payante.
Donc après, Facebook Work, c'est quand même payant, hein. Donc moi, je ne sais pas. Ce que j'ai compris, c'est que Facebook Work, pour parler en réunion, c'est payant à la personne. C'est-à-dire que si on ne l'utilise pas, on ne paye pas. Voilà. Alors qu'un truc comme Zoom, on paye tous les mois, si je me souviens bien, 15 euros. Voilà. Mais rien à voir. Donc Slack, c'est cette plateforme dont je vous parlais, hein. Donc Slack est cette plateforme collaborative. Elle a aussi, donc encore une fois, au niveau payant, parce que ce qu'il y a de bien avec Slack, si vous avez une équipe, c'est que ça coûte rien. Vous pouvez faire plein de choses pour pratiquement pour 0 francs. Après, évidemment, si vous voulez upgrader, alors maintenant, il y a plein d'autres nouvelles fonctions. Et une fonction qui est bien pratique, c'est non seulement de partager votre écran sur Slack, parce que moi, ça m'arrive souvent avec mon équipe d'expliquer un truc sur Slack et j'aurais adoré leur parler en audio, ce qui est possible maintenant, en vidéo, ce qui est possible maintenant, et partager l'écran. Mais en plus de ça, vous allez pouvoir prendre le contrôle de l'autre. Donc, si vous travaillez avec un assistant qui comprend pas un truc sur l'ordinateur, vous pouvez carrément prendre le contrôle de son écran. Donc, on voit vraiment là qu'on entre dans... donc, non seulement il y a la conversation audio-vidéo qu'il n'y avait pas, mais là, un partage d'écran avec contrôle d'écran. Qui utilise Slack et qui utilise autre chose carrément, en fait, que peut-être on ne connaît pas encore, mettez-le dans les commentaires. C'est toujours intéressant de découvrir d'autres plateformes. Ok, mon sujet de prédilection ces derniers mois, c'est la publicité Facebook. Je demande tout le temps, hein, qui fait de la publicité Facebook et comment ça marche pour vous. Je ferai toute une émission sur comment ça marche pour moi très très bientôt, avec des tas de trucs très intéressants et très flippants aussi, mais ça c'est pour un autre mardi. En attendant, je voudrais vous montrer une nouvelle fonction dans Facebook Ads. Pour ceux qui faisaient de la publicité, c'était hyper long de tester. Vous savez, quand on fait de la pub, on a la possibilité de mettre une image, une vidéo, on a la possibilité de mettre un texte différent et on a aussi la possibilité de targeter, de cibler à différentes personnes. Donc nous, avant, on devait faire ça manuellement. On devait changer la photo pour voir qu'est-ce qui marchait pas, pour voir qu'est-ce qui marche le mieux, etc., etc. Et bien là, magie de magie, c'est un truc absolument magique. Je vous montre la vidéo, je crois pas qu'il y a du son d'ailleurs, mais on va voir. Oui, il y a du son. How can you get maximum value from your Facebook ads? By knowing that when it comes to the creative, it's never one size fits all. Great creative finds the perfect match between your ad and your audience. For example, Tony lives in Singapore and enjoys taking his four-wheeler for a spin on the weekends. Simone lives in Marseille and loves her motor scooter. People like Tony and Simone are likely to respond to different types of ad creative. But what if you're an automaker who wants to promote the same car model on Facebook to both of them? You'd have to test different creative components, such as images, headlines, and call to action buttons in your ads to determine which ones get the best response. A time-consuming and costly process. Introducing Dynamic Creative. It's a new way to ensure the right ad creative combinations are reaching the right people. Here's how it works. You give us a range of components, images, videos, text, and calls to action. Then, specify who you want to reach and your budget. We'll do the rest. Dynamic Creative automatically determines which combinations work best with any given audience and placement. It's a fast, easy, and cost-efficient way to match the right ads with the right audiences at scale. Most importantly, people will be more likely to see ads that are engaging and relevant to them. And when that happens, they're more likely to take notice and take action. Find your perfect match with Dynamic Creative today. Voilà, est-ce que ça a été au niveau du son et surtout, j'espère que vous n'avez pas eu d'écho. Vous pouvez me dire écho s'il y a eu un écho et si vous dites tout va bien, ben tout va bien. Parce que c'est la première fois que j'utilise ce partage d'écran avec le son, donc j'aimerais être sûre qu'au niveau du son, c'était bien, ça vous a pas bousillé les oreilles. Donc, donc voilà, en gros, pour moi, ça, c'est juste de la bombe, de la dynamite, parce que c'est un truc sur lequel je perdais énormément de temps de tester les publicités. Et du coup, je pense que ça, c'est vraiment, ça a une énorme plus-value.
Ok, et là j'ai trouvé un autre article en fait où ils expliquent que cette intelligence artificielle, encore celle-là, elle peut générer jusqu'à 6250 versions de votre publicité. Ça ne veut pas dire qu'il va tester les 6250. Ça veut dire qu'avec toutes les combinations, vous pouvez combiner automatiquement 30 parties. Ok, donc ce qui est génial, c'est que vous n'allez pas en faire 30 tout de suite. Vous allez faire, je ne sais pas moi, 3, 3, 3, 5, 5, 5. Et Facebook va automatiquement voir tout de suite, excusez-moi, lesquelles marchent le mieux. Ok, c'est génial. Je trouve ça absolument génial. Je ne sais pas ce que vous pensez de ça. Alors, voyons les commentaires. Intéressant en effet. Rome, c'est en place le Facebook Dynamic Ads. Je n'ai rien vu à ce sujet. Alors, Rome, comme tu le sais, je n'ai pas les moyens d'aller voir si c'est en place ou pas. J'aurais bien aimé. Et encore une fois, pour les autres, c'est une histoire que je vais vous raconter et partager avec vous très bientôt dans un live. C'est ce qu'il faut faire et ne pas faire sur Facebook Ads. Oui, vous devez trouver ça normalement dans à mon avis, c'est dans le Power Editor ou dans le, voilà, je crois que c'est en train de merger les deux maintenant. Le Power Editor et le... Excusez-moi, j'ai oublié l'autre. L'autre nom. Ok. Alors, petit... Non, ça, je vais vous dire ça après. Excusez-moi, on arrive à la fin. Oui, donc, je vous en ai beaucoup parlé de ça. Donc, ça va sortir aux États-Unis et au Canada. Malheureusement, j'ai l'impression que c'est dans super longtemps parce que là, ça nous dit que ça va sortir l'été prochain. Mais moi, j'ai vu autre part que ça va sortir en octobre et en novembre. Donc, diverses informations à divers endroits. C'est tout simplement la fonction qui va s'appeler, ils vont appeler ça View Ad Tab. Et vous allez pouvoir voir quelle est la stratégie des gens. Vous pourrez prendre une publicité de votre compétiteur et vous pourrez cliquer sur View Ad et vous verrez absolument tout. Quelle audience il a choisi, quelle campagne il a choisi, etc., etc. Et c'est quelque chose qui est arrivé suite à toute cette histoire qui est encore en train de se passer actuellement avec, je ne sais pas si vous avez entendu parler, sûrement d'ailleurs, que Facebook avait vendu pour des milliers de dollars de la publicité à des espions russes qui ont manipulé l'élection, soi-disant, c'est toute une histoire. Et du coup, ils ont décidé maintenant, Facebook, puisqu'ils sont au tribunal, aux États-Unis, etc., pour justifier tout ça, qu'ils allaient être très transparents. Et donc, tout le monde pourrait voir qui exactement est à l'origine de la publicité et surtout, quelle audience il cible, etc., etc. Et du coup, Twitter s'est mis aussi à cette transparence-là. Donc, pour nous, marketeurs, c'est génial parce que si vous avez un compétiteur où vous disiez « Waouh, mais il fait tellement des bons trucs ce mec, il a une stratégie de ouf », eh bien, vous pourrez dorénavant, j'espère plutôt en novembre que l'été prochain, aller les espionner avec ce nouvel onglet qui s'appellera comment ils appellent ça, View Ad Tab. Alors là, il y a quelque chose en fait que j'ai lu et peut-être que vous allez m'aider à comprendre. Oui, Pat, c'est cool, hein, on va pouvoir enfin prendre la stratégie de nos concurrents. Donc, j'ai lu cet article et je suis pas super au clair et je pense que certains d'entre vous ici pourront m'éclaircir. Voilà ce que j'ai lu. Vous savez, avant, quand on allait sur la recherche Google, ça nous mettait tout simplement les résultats du pays d'où on est. C'est-à-dire que moi, je suis en Suisse, c'est google.ch. Et forcément, quand je demandais des résultats, ça me donnait principalement des résultats locaux. D'accord? Si ça avait du sens, évidemment. Là, sur Google, ils ont décidé de... Pour donner une meilleure expérience à l'utilisateur, j'adore, c'est ce que tout le monde dit, ils ont décidé de ne plus faire que ce soit le nom de domaine qui influe, mais que ce soit la géolocalisation. Ok? Ça veut dire qu'en gros, par exemple, c'est ce qu'ils expliquent, si vous êtes en Australie, ça va plus seulement vous chercher les trucs en Australie, mais ça va prendre tous les pays aux alentours.
Alors, est-ce que ça veut dire que si moi je suis en Suisse et que je fais une recherche, ça va plus chercher en Suisse, mais ça va chercher en Suisse, en Allemagne, en Italie? Je ne sais pas si quelqu'un est pro là-dedans. C'est une nouvelle qui est sortie il y a quelques jours, donc j'ai pas encore vraiment compris, j'ai pas vraiment testé. Est-ce que quelqu'un comprend ce que ça veut dire exactement de se baser sur la localisation et ne plus se baser sur le nom de domaine? Parce que moi, quand j'allais par exemple en France, j'arrive sur google.fr de toute manière. Donc voilà, c'est ça que j'avais pas compris. Si vous avez compris, n'hésitez pas à nous faire part dans les commentaires. Alors, je vais peut-être passer sur 2-3 news parce que on a pris plus de temps que je ne le pensais. Mais ce que je voulais vous dire, qui est assez flippant en fait, c'est que Facebook est en train de tester un truc. C'est très controversé, ok? C'est le début, ils savent pas s'ils vont le faire ou pas le faire. C'est que ils vont donner la possibilité aux annonceurs, tenez-vous bien, vous êtes assis, attention c'est flippant, Pat, t'es assise, c'est super flippant, donner la possibilité aux annonceurs de savoir ce que postent les gens et les commentaires qu'ils mettent. C'est-à-dire que jusqu'à maintenant, on avait la possibilité de savoir les pages qu'ils likaient, comment ils achetaient, s'ils étaient mariés, etc., du moment qu'ils nous le disent. Maintenant, ce que veut faire Facebook, c'est donner la possibilité d'aller encore plus loin dans l'intelligence artificielle et de décrypter avec toutes leurs machines super intelligentes ce que nous postons sur Facebook. Et oui, ça veut dire que non seulement ça va voir ce que vous postez, le genre de gag, le genre de truc, etc., mais ce que vous répondez aussi, d'accord? Et l'idée, c'est pour donner encore plus de possibilités aux annonceurs. Alors, c'est pas encore fait, c'est en discussion, c'est hyper controversé. Vous imaginez bien que c'est genre limite légal, je sais plus honnêtement. Pat, elle est comme moi, elle est assise. Moi, je suis scotchée sur mon siège depuis quelque temps. Surtout qu'il m'arrivait un truc assez fou avec Facebook, comme dans un mauvais film. Je vous en parlerai un de ces lives. Je garde la surprise encore, mais je commence vraiment à me poser des questions. Ça fait des années qu'on nous dit, ouais, vous êtes partout, tout le monde vous espionne et tout. Que moi, ça m'a pas du tout dérangé. Je fais du marketing, donc pour moi, c'est tout des outils utiles jusqu'au jour où il vous arrive une petite bourde parce que la machine artificielle ne comprend pas quelque chose. Et c'est comme dans les mauvais films, vous savez, quand on avait vu à l'époque, pour ceux qui sont un peu plus vieux, avec Sandra Bullock à l'époque, le film, comment il s'appelait ce film, où tout d'un coup on lui prend son identité, ça se fait tout le temps aujourd'hui, mais à l'époque c'était un truc de malade. Alors, Pat, pour les target, remarque, c'est bien, mais ouais, à voir, je sais pas. Moi, je suis une grande marketeuse. J'adore les publicités Facebook. Donc, moi, je suis super contente. Ah! Pat, c'est en prison Facebook. Moi aussi, Pat. C'est de ça que je voulais parler. Je vais faire tout un live pour vous parler parce que Pat et moi, on est en prison Facebook. Je vais vous expliquer dans un autre live comment ça arrive et ce que ça veut dire et comment sortir de la prison si vous arrivez à en sortir, parce que ça c'est encore une autre histoire. Alors, Christophe, et pour les marketeurs que nous sommes, c'est plutôt positif, ce n'est qu'un outil, tout dépend qui peut en être fait. C'était Sandra Bullock dans Track sur Internet, merci. Ok, nous avons un avocat ici de Facebook, Rome. Eh ben, écoute, Rome, Pat et moi, on va te demander une petite consultation d'amis. Il faut absolument que l'on partage sur tout ça. Moi, ces derniers temps, j'ai appris beaucoup de choses. Voilà, ce qui ne tue pas rend plus intelligent, hein, au lieu de pleurer toutes les larmes de notre corps. Et Pat me dit qu'elle regardera mon live. Je ne sais pas encore quand je vais faire mon live là-dessus parce que je n'ai pas encore de date.
Cécile, prison, Facebook, pardon. Ah, ok, donc il faut expliquer à Cécile ce qu'est la prison Facebook. Alors, ok, je vois que ça éveille beaucoup de curiosité et d'intérêt. Et donc, je pense que je vais garder le suspense jusqu'au live que je vais devoir d'ailleurs agender à une date pas trop lointaine. Mardi, j'ai déjà un live sur l'algo la Facebook algo apocalypse, j'y arriverai, sur le nouvel algorithme et qu'est-ce que ça veut dire pour nous en tant que marketeurs et surtout live streamers. Donc ça, c'est mardi. Tous les jeudis, c'est les news. Donc je veux pas faire ça. Alors, est-ce que je planifie cette histoire pour mardi d'après? Oui ou non? La raison, c'est que je suis un peu parano du coup. Mais... Allez, non, mais je pense que c'est quelque chose qu'il faut que je fasse, hein, parce que ça peut aider beaucoup, beaucoup de gens. Et mieux vaut prévenir que guérir, mes amis, pour ceux qui sont en prison avec moi. Vous savez pourquoi et vous savez ce qu'on vit. Donc mardi, donc pas prochain, le mardi d'après, restez connectés avec nous, avec moi. Et tout ça aussi pour vous dire que on est à la fin du live, vous l'aurez bien compris, c'est que je vais vite faire, oui, je vais vite faire ce live, je vois qu'il y a beaucoup de demandes. Mais bah, la question que je me pose, c'est est-ce que je vais continuer à faire mes lives pendant quelques temps? Est-ce que je vais pas déménager et faire tous mes lives dans le groupe Facebook? Et c'est ça mon appel à l'action aujourd'hui, c'est que pour vraiment bien rester au courant de ce que je fais, venez sur mon groupe Facebook qui s'appelle Facebook Live pour le business, parce que je pense que ces prochaines semaines, mes lives vont se passer à l'intérieur d'un groupe fermé et plus sur cette page-là ouverte. Et je vous expliquerai tout ça, que des trucs mystérieux, le mardi où je vais faire ce live et je le note, allez, mardi en 8, en 15, je sais pas comment on dit, je vais le faire, d'accord? Donc l'appel à l'action aujourd'hui, mes amis, c'est... Pour tous ceux qui sont pas encore sur mon groupe Facebook, il faut absolument que vous vous mettez sur le groupe live. Et puis oui, Rome, tu as raison, que tu t'y perds un peu dans les lives, et je comprends parce que moi aussi je m'y perds. Et la raison pour ça, c'est que j'ai pas encore une stratégie claire. Et c'est là où on voit que quand on n'a pas de stratégie claire, on rend les autres personnes confuses. Et ça, c'est super important de savoir exactement ce qu'on fait. Et peut-être que là aussi, je vous en parlerai parce que là, je suis en train de tester des trucs en fait. C'est pour ça que c'est pas clair. Il y a 3 lives par semaine, 2 sur une page ouverte et 1 dans un groupe privé. Et je voulais tester comme ça. Mais plus on va avancer, plus je vous expliquerai la stratégie que j'aurai définie moi-même. Ok, Pats, on se partagera les oranges. Bah ouais, écoute, totalement. Je suis contente d'avoir trouvé ta page grâce à ta pub. Alors ça devait être avant que je sois en prison. Ah, tu peux plus rejoindre. Ok, mais on peut se parler en message privé, Pat. Comme ça, on reste en contact. Envoie-moi un message privé si t'arrives. Hein. Si t'es geôlier, te laisse envoyer. Mais je pense que sur mon groupe, normalement, tu peux venir. Ok, je vous remercie infiniment. C'était vraiment un super live, hein. Super équipe, vraiment sympa. J'ai adoré ce live. N'hésitez pas à le partager. Venez dans le groupe parce qu'il y a plein de choses qui vont se passer dans ce groupe Facebook Live pour le business. Je vous remercie encore. Je vous fais des millions de bisous à ceux qui sont en prison avec moi. Restons en contact derrière les barreaux. Tout ira bien. On s'en sortira. Allez, ciao, ciao.